Nous sommes venus ici pour saluer cet exercice démocratique que l'IDPS va démontrer durant ces deux jours. Moïse m'a dit ceci, je le reprends. Dites à Félix, mon frère, dites à Jean-Marc Kabound, dites à toute la direction des jeunes de l'IDPS que notre combat se situe dans la ligne droite de celui de l'immortel Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et j'ai dirigé la dynamique Tshisekedi président. Et j'en suis fier. Je suis fier d'avoir amené Étienne Tshisekedi à la réussite, à la présidence de la République, parce qu'il a gagné l'élection de... Je voudrais ici, très sincèrement, monsieur le secrétaire général, le discours, mais je vis Étienne Tshisekedi en train de s'adresser au roi. Josué doit amener le peuple à la terre promise. Qui a été fait par le président qui a été fait par les amis,
la diaspora. Ne pensez pas que les 200 euros vont atteindre la famille. Non, ça pense que ça vient nous diviser. On dit 300 euros. Bah, là, comme on se souvient, oh, attendez le cavalier. J'allais dire des baisses, dans des moments de joie comme des malheurs,
j'ai dit et j'ai cité Félix Tshisekedi. Je suis venu par amitié, pas par beaufrérie, mais aussi un peu par beaufrérie. Je veux donc que la démocratie l'emporte si l'arbitraire. Vous avez monté la chambre. Quand même. Vous avez monté la chambre. Je remercie tous les membres de la qui nous ont accueillis avec toi dans l'allégresse. Je voudrais féliciter les organisateurs pour ce que vous êtes en train de montrer aujourd'hui. Vous avez été patients, ne vous en faites pas. Chaque minute et chaque heure que nous avons passé ici était un moment de joie parmi vous. Merci beaucoup. Nous allons appeler le président Christophe Moutoumoula. Viva! IDPS, viva! Viva! Rassemblement, viva! 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 Tu sais que Mesdames et messieurs les organisateurs, messieurs, mesdames les congressistes, nous nous trouvons ici les lieux de la dernière sortie politique de Thierry Tshisekedi Wamulumba. Je le vois encore ici, avec le carton jaune et rouge, alertant le pouvoir décadent, mais toujours criminel, le répressif, en lui disant il faut aller à la démocratie, il faut aller aux élections, sinon le peuple va rendre son office. Le guide perpétuel de l'IDPS, le guide perpétuel des forces de changement. Comment me trouvant en ces lieux, ne pas m'incliner devant son œuvre, ne pas m'incliner devant sa mémoire. Mes chers amis, ce pays est béni parce qu'il a eu celui-là. Ce pays est béni aussi parce que je regarde un fait historique. Les jeunes, la relève, la détermination qui anime ces hommes et ces femmes. Je le vois, je l'entends, je le sens à travers le mot retentissant, à travers le discours d'exhortation de Jean-Marc Cabouille. Vous êtes des grands, UDPS, vous êtes des grands. Je voudrais, avant de terminer, vous donner un message. Celui qui m'a été confié hier la nuit, vous me voyez avec l'invitation, c'est là que j'ai noté le message. Par Moïse Katumbi Tshabwe, par d'autres cadres d'ensemble pour les changements et du succès. Moïse m'a dit ceci, je le reprends. Dites à Félix, mon frère, dites à Jean-Marc Kabound, dites à toute la direction des jeunes de l'IDPS que notre combat se situe dans la ligne droite de celui de l'immortel. Et tiens, tu sais qu'il dit Wamulumba. Et il me dit que ce combat, comme l'a voulu tu sais qu'il dit, ça n'est pas pour moi. C'est pour le peuple congolais. Dites à Félix, président du Rassemblement, que le Rassemblement doit exister. Que nous sommes toujours dans le Rassemblement pour le combat, pour la démocratie, pour l'alternance, pour les élections. Dites à
Jean-Marc Kabounda qu'on a toujours besoin de l'IDPS et à tout moment de l'histoire de notre pays. Et il termine en disant, attention, la phase d'aujourd'hui, c'est la phase de la démocratie. L'IDPS démontre qu'elle est pour la démocratie et que toutes les forces du changement doivent passer par cette phase de cristallisation des ambitions, des idées, des valeurs, mais ce n'est pas le stade final de notre combat pour le changement. Et donc, s'aborder le rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi, c'est en fait démissionner, c'est en fait mettre fin à ce combat. La deuxième phase, ça sera sur des responsables, des personnalités sur lesquelles se seraient cristallisées les ambitions pour voir comment construire un partenariat positif pour répondre aux aspirations des peuples congolais. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, comptez toujours sur le G7, comptez toujours sur le rassemblement, comptez toujours sur Moïse Katumbi. Au-delà de nos personnes, c'est ce peuple qui nous regarde, qui attend de nous le bon historique qui est en train de s'accomplir aujourd'hui sous les traces du Tchèque Tshisekedi. Je vous remercie. Viva Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, père de la démocratie. Le peuple d'abord, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Chers amis, son éminence, monseigneur, monsieur le secrétaire général, monsieur, madame, le secrétaire général adjoint, chers membres de l'UDPS, je suis heureux et fier d'être devant vous. J'ai assisté au premier congrès ordinaire de l'UDPS. J'ai fait une motion et j'ai dirigé la dynamique Tshisekedi du président. Et j'en suis fier. Je suis fier d'avoir amené Étienne Tshisekedi à la réussite, à la présidence de la République, parce qu'il a gagné l'élection de... Je vais simplement remercier le secrétaire général. J'ai été ému par ton discours, Jamar. Très bien. Je n'aime pas l'hypocrisie. Et tu peux pas là. Et je disais à Monseigneur, ce garçon est magnifique. Les valeurs. Le peuple congolais a besoin des valeurs. Le peuple congolais a besoin des gens qui demain vont le faire sortir de là où il est, tous et tous, pour Kabila l'ami. Le Congo est devenu la rivière du monde. Toko Mimba l'échec, le dernier de la classe. À cause de certains concitoyens qui ont vendu le pays. Il faut le dire. Ils sont nombreux. Chers amis, il ne faut pas jouer avec le pays. Il ne faut pas jouer avec la vie des citoyens. On nous a appris ici des valeurs. Pour moi, je vous recommande, congressiste, si vous devez partir avec quelque chose, si vous devez avoir quelque chose dans la chemise, j'ai vu une belle chemise qu'on vous a distribuée pour mettre vos dossiers, notez ces valeurs. Ces valeurs qui doivent fonder la nation congolaise. Ces valeurs que tout citoyen congolais doit avoir en lui. Pour que demain, ce pays de Étienne Tshisekedi soit honoré. Ce pays de Étienne Tshisekedi soit reconnu par le monde entier. Ce pays de Étienne Tshisekedi ne soit plus la réserve du monde. Je vous remercie. Nakondo Papa Nabiso Étienne Tshisekedi. Et à l'annonce de sa mort, moi je dis le roi est mort. Vive le roi! Je voudrais ici, très sincèrement, monsieur le secrétaire général, le discours, mais je vis Étienne Tshisekedi en train de s'adresser au roi. Inspiration divine! Ça, c'est l'inspiration divine! La vraie propos saillotée!
Ce sont des actions de lutte, de combat qui ont caractérisé le leader Maximo Étienne Tshisekedi Wamuluma. Nous sommes les produits finis de son école et nous défendons l'idéal républicain. Élu de PES, vous êtes l'aîné, véritablement entraîné. Assumez-vous, parce que lorsque l'île de PES touche, le Congo est malade. L'histoire du lit de PES pour les changements se conforme avec l'histoire de notre pays. Tout le peuple, nous expérimentons nos exercices politiques, mais le corps, la source, la référence, celui de PES. Les membres de la ville de Samuel Aricolo, Otikera Makako, Félix Yaza Makako, Kéadana Mokila, je vous remercie. Parole au nom et pour les comptes du héros vivant. L'honorable Franck Diongo, l'un des fils politiques du père de la démocratie, je cite Dr Étienne Tshisekedi Wamuluma. Je prends la parole pour témoigner de la générosité du feu Père Étienne Tshisekedi Wamuluma vis-à-vis de l'honorable Franck Diongo lorsqu'il avait appris qu'il a été arrêté par l'État contre le peuple, l'État Mohimi. Je prends également la parole pour témoigner de la doctrine dont se sont servis les dirigeants de l'UDPS pour que les caps soient maintenus. Lorsque papa Étienne Tshisekedi Wamuluma avait appris le 20 que l'honorable Franck Diongo a été arrêté, torturé, bastonné par l'État contre le peuple, nous l'avions vu personnellement devant maman Marthe, papa Étienne Tshisekedi Wamuluma avait versé ses larmes. Je crois que c'est les dernières larmes de papa Étienne Tshisekedi Wamuluma pour témoigner de sa générosité vis-à-vis de l'honorable et vis-à-vis du combat pour l'alternance, pour la démocratie, pour la liberté. D'aucuns se demandent pourquoi le secrétaire général avec toute son équipe ont maintenu les caps jusqu'à la tenue de ce congrès. Vous avez la réponse. C'est la doctrine qui détermine les caractères. Les dirigeants de l'UDPS, après la mort du feu, Étienne Tshisekedi Wamuluma, ont fait preuve de la résistance démocratique et pacifique. Entre l'orage de la corruption et la rage de la persécution politique, l'UDPS a tenu bon. Entre les débauchages politiques et les gains faciles, l'UDPS a fait preuve de la résistance contre le régime de M. Kabila, de triste mémoire, parce que pour moi, le régime de Kabila est mort depuis le 19 décembre 2016. C'est l'occasion pour moi d'en décréter les obsèques à l'occasion de ces congrès. Donc je décrète officiellement au nom du MNP et au nom de Franck Diongo les obsèques du régime de M. Kabila. Et vous le serez demain. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général de l'UDPS et tous les membres du bureau organisateur de
de ce congrès extraordinaire. Un homme célèbre, Antoine de Saint-Exupéry, avait dit « L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. » Je pense que chacun, chacune des militants, militants de l'UDPS s'est découvert, combattant de l'UDPS s'est découvert après les obstacles que vous avez successivement subi depuis le 1er février 2017. Personne d'entre vous ne peut encore douter de sa capacité de résilience par rapport à l'action du parti. Et ça, c'est très important. C'est vrai, il est difficile de remplacer cette icône que nous avons tous surnommée le président national de l'UDPS, avec tous les noms, toutes les épithètes que nous avons entendues ici, mais la succession s'est ouverte. C'est lui qui va succéder donc au destiné de l'UDPS à la responsabilité de mettre la peau réellement de Josué, parce qu'il y avait Moïse. Josué doit amener le peuple à la terre promise. Et politiquement, la terre promise signifie arracher les pouvoirs, conquérir les pouvoirs et conserver les pouvoirs. Pourquoi arracher, conquérir, conserver, c'est justement pour implémenter, pour appliquer la vision de l'initiateur. Celui qui a amené l'UDPS au moment où nous en sommes. Je tiens à féliciter sincèrement tous les combattants de l'UDPS parce que moi je sais ce que ça signifie la combativité. Je l'ai vécu, ne pas avoir le leadership devant soi, vous avez tout le vent qui vous vient à gauche et à droite. Le plus important, c'est ce que vous avez dans les slogans. Tenons bon, l'UDPS. Tenons bon, l'UDPS mènera. Et vous verrez ce pays. France Foucault.